bientôt diplômée de l'enseignement secondaire? Est-ce que t'as déjà réfléchi aux études que tu envisages de faire après ton bac? Bien choisir son orientation passe par faire le point sur tes qualités en tant que personne, pour savoir qui tu es et ce que tu veux faire. Es-tu attiré par le domaine social ou le domaine médical? Alors l'ergothérapie est faite pour toi. Mais qu'est-ce que l'ergothérapie? C'est une profession de santé qui vise la promotion de la santé et le bien-être par l'occupation. Son objectif principal est de permettre aux personnes de s'engager dans les activités de la vie quotidienne avec un maximum d'autonomie et d'indépendance. L'ergothérapeute analyse donc les situations de handicap et met en œuvre un accompagnement médico-social tenant compte du projet de vie des personnes, leurs occupations, leur environnement et leur culture. L'ergothérapeute peut travailler en milieu hospitalier, dans des écoles, à domicile. Son champ d'action est varié. Par exemple, une personne se déplace en fauteuil roulant suite à un accident de moto. L'ergothérapeute va lui rendre visite, à son domicile et sur son lieu de travail, afin de proposer des aménagements, comme installer une rampe d'accès ou élargir les portes. Il va également proposer des adaptations pour qu'elle puisse retrouver son travail et ses activités quotidiennes. L'ergothérapeute est un professionnel de santé aux compétences multiples qui intervient au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Il collabore avec le médecin, le kinésithérapeute, l'orthophoniste, le psychomotricien, l'orthoptiste, l'assistant social, l'éducateur spécialisé, l'infirmier, l'orthoprothésiste, la famille, etc. Plutôt cool, non? Eh bien, figure-toi que la première formation en ergothérapie du Maroc ouvrira ses portes à la rentrée. Dès septembre 2017, l'ISPITS de Rabat accueillera ses premiers étudiants en ergothérapie pour une durée de 3 ans au sein de sa filière rééducation-réhabilitation. La formation sera ouverte sur concours aux titulaires du bac. Tu pourras y suivre pendant 6 semestres des modules très variés qui feront de toi un des premiers ergothérapeutes du Maroc. Sociologie, anatomie, communication, langue, déontologie, neurologie, technique ergothérapique. Et surtout, tu pourras effectuer plusieurs stages pratiques en milieu socio-médical pour apprendre le métier sur le terrain. Aujourd'hui, le Maroc a plus que jamais besoin d'ergothérapeutes pour accompagner les personnes en situation de handicap vers une plus grande autonomie. Et les débouchés sont nombreux pour trouver de l'emploi. Alors, si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet dès à présent.